Bonsoir. On va reprendre l'étude de l'histoire de David et de Bathsheba. Une histoire très difficile, vraiment très très difficile. Je vous avais dit que jusqu'à aujourd'hui, elle est l'objet de rudes controverses entre les commentateurs sur la façon de lire, de comprendre ce texte-là. Donc volontairement, on a lu le texte d'une seule traite la fois dernière pour ressentir comment... La manière même de l'écrire, de la présenter, de raconter ce qui s'est passé est une histoire à charge complètement contre David. On nous montre ici une froideur, quelqu'un de calculateur qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de prendre cette femme. Il n'y a aucune description, en aucune manière, une sorte de combat intérieur, de difficulté, de regret, etc., etc. Pas du tout. C'est un homme qui sait ce qu'il veut, il veut prendre cette femme, il fait tout ensuite pour couvrir son méfait en faisant revenir Uriah de la guerre et en faisant en sorte que on ait l'impression qu'en fait elle est tombée enceinte grâce à Uriah pour cacher cette grossesse-là. Et puis finalement, ça marche pas, il va pour l'envoyer à la mort, ce qui est incompréhensible, insupportable. Et une fois que tout est terminé, le texte seulement nous dit qu'en fait tout ça était mal aux yeux d'Hachem. Donc on voit très bien que c'est une façon d'écrire où on nous présente d'abord l'histoire. Une fois que c'est fini, alors on dit voilà. Voilà comment Hachem, lui, a vécu les choses. Elle les a ressenties. Et donc, à partir de là, le prophète qui raconte la fameuse histoire, et David qui reconnaît qu'il a mal agi, mais d'abord en accusant l'autre. C'est cet homme-là qu'on avait dit qu'il avait pris la brebis de son voisin, etc., etc. Et Nathan lui dit, bah, c'est toi cet homme-là. Et là, donc, David reconnaît sa faute. Et suite à cela, l'histoire n'en est toujours pas terminée. Suite à cela, nous avons donc la naissance du premier enfant qui tombe très malade et qui va mourir finalement. Et on voit comment David, là, tout d'un coup, est plein d'émotions. Et après la mort, non plus du tout, tout est oublié. Puis il reprend la vie normalement avec Bathsheba. Il a un nouvel enfant avec Bathsheba. Et cette histoire, elle termine de manière très surprenante. Alors que clairement, rien dans le texte n'a essayé de cacher. De diminuer en quoi que ce soit l'attitude de David, bien au contraire. Hein. Les Midrashim, eux, vont le faire énormément, mais le texte, pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, au contraire, nous dit les choses de la manière la plus crue qui soit. Dans ce cas, on ne comprend pas du tout pourquoi ça se termine avec le même Nathan, le même prophète Nathan, qui était venu pour accuser et qui vient maintenant pour dire que tout va bien et que l'enfant, maintenant, c'est l'ami d'Hachem, Hachem est avec lui, etc. On voit mal s'il y a une. Pas si, après les fautes tellement graves, il manque plus que l'idolâtrie. Hein. On a le Guilouy HaRayot et Shfichut Damim, les unions interdites et le meurtre. Et il manque plus que l'idolâtrie, mais on y est presque dans une certaine mesure où on sent une absence de Dieu, en tout cas totale, dans l'esprit de David pendant toute cette histoire-là. Voilà une première chose. Donc on a un texte qui accuse, semble-t-il, David de manière très forte. Pour se clore de manière, dans ce cas-là, inattendue. Ensuite, on avait également dit que c'est peut-être ça le sens, peut-être, hein, d'Abu Danassi qui dit dans la Gemara, et c'est très souvent repris, Kol haOmer David chata eno el atoé, tout celui qui dit que David a fauté se trompe, il ne fait que se tromper. Il n'y a pas écrit qu'il faut dire que David a bien fait ou que David est hors de tout défaut, mais de dire qu'il a fauté, de ne voir que cela dans le texte, c'est ne pas lire le texte, c'est lire le texte de manière découpée, de pas se rendre compte ici que le texte en entier ne correspond pas du tout à tel qu'on est habitué au récit d'une faute. Il y en a d'autres, des récits de fautes dans le Tanakh, ça se termine effectivement par des punitions, etc., il va y en avoir hein, par la suite, mais ça ne se clôt pas par... une sorte de complicité, de célébration où tout le monde est tout heureux, David, Bathsheba, Nathan, Hachem, tout le monde est là et l'enfant qui naît, qui est extraordinaire, Yedidia, Shlomo, c'est quelque chose qui pose problème dans la manière dont les choses sont présentées. Un autre point encore, on avait montré qu'il y avait deux histoires en vérité qui sont parallèles. L'histoire de Yoav qui fait la guerre et l'histoire de David à Yerushalayim. Et c'est vrai, véritablement un problème puisque c'est présenté depuis le départ comme un problème. Il y a une forme d'absence de David qui est remarquée
à Rabat Amon, là où il aurait dû être d'une certaine façon. Et c'est à la place de cette absence, si on peut parler ainsi, que David est à Yerushalayim, à cet endroit-là dans le texte de l'absence de David, que eh bien, il fait ce qu'il fait à Yerushalayim, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'aurait dû faire un homme de guerre, un roi, etc. Donc, non seulement qu'il commet une faute avec Bathsheba et avec Uria, mais qu'en plus, c'est à un endroit d'une autre problématique qui est celle de l'absence de David à Rabat Amon et de sa présence à Yerushalayim. On dit qu'il fait une sorte de... qui dormait, qui s'est levé, etc. Il y a quelque chose de très étrange dans ce texte. Ça ressemble pas à David. Donc, et on ne peut pas détacher les choses. On peut pas avoir ici deux problèmes complètement séparés. C'est évident qu'il y a un lien. Comme quelqu'un qui, depuis le départ, a commis une sorte d'erreur. Il n'est plus lui-même depuis le début. Il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il n'est pas l'endroit où il devrait être. Il n'est pas à la hauteur d'une certaine forme de dignité, de responsabilité. Et à partir de là, on assiste à une décadence totale, d'accord ? Il y a quelque chose de très étrange là. Le texte le montre bien. Et pour finir le texte, justement, quand on revient à la première histoire, qui est celle de la guerre, Yoav dit à David, écoute, il est temps que tu reviennes, d'accord ? Alors que la question du rapport de Yoav à David est aussi présente dans l'histoire de David et Bathsheba. Donc ces deux histoires, non, ce n'est pas deux histoires véritablement, c'est deux scènes hein, d'une histoire qui est complexe et où il y a des liens entre les deux. Mais... qu'on pourrait lire de manière séparée, que généralement d'ailleurs les gens racontent de manière séparée, ils font pas attention que c'est extrêmement lié et que c'est bien encadré. Hein. Le début de la guerre, au début, la fin de la guerre à la fin, et puis toute l'histoire de David et Bathsheba au milieu, et puis David qui finalement va quand même au combat. Et ça participe d'ailleurs clairement à la problématique que je vous ai dite, qui est que c'est, la fin de l'histoire ne ressemble pas à ce à quoi on se serait attendu. Autant au début. Le fait que David ne soit pas à la guerre, que ce soit suivi par le fait que David agisse de manière aussi grave à Yerushalayim, on entend qu'il y a un lien, même s'il n'est pas peut-être rationnel, même si on ne le voit pas, même si ce n'est pas un lien de cause à effet évident, mais on sent qu'il y a une sorte d'absence de David, de manque de responsabilité de David peut-être, et puis de là, il y a une suite d'erreurs qui s'ensuivent. Très bien. Mais dans ce cas-là, on ne comprend pas comment se fait-il que David finisse cette histoire en rentrant à Rabat Amon avec une guerre extraordinaire. Et là, ça ressemble aux épisodes précédents, sauf qu'on dit qu'il va sortir avec une immense couronne d'or, etc., etc. Or, on était habitué à chaque fois dans le texte que chaque fois que David gagne une guerre, c'était présenté comme une façon que Dieu a eu de l'aider. Et chaque fois que David revient avec une sorte de butin, avec une grandeur, c'est beaucoup plus que simplement de l'argent ou une victoire militaire qui est représentée. C'est vraiment le sentiment d'une aide de Dieu, d'une sorte de réussite qui est celle de Dieu. Et ça ne va pas. Après ce qu'il a fait, il ne peut pas aller à Rabat Amon et puis sortir vainqueur et revenir avec une couronne sur la tête. Alors en plus, la symbolique de la couronne sur la tête est très forte. Une très grande couronne d'or sur la tête, c'est quelque chose qui est très très fort. Parce que revenir avec une couronne d'or, c'est quasiment ce qu'on attendait depuis le début de Sefer Shmuel Bet. Je vous ai dit, on était dans une royauté qui allait grandissant. D'abord à Hebron, et puis ensuite à Yerushalayim, ensuite il a fait venir le Aaron, et ensuite il y a eu des guerres, et encore des guerres, les guerres contre les Pélishim, etc. Et on clôt un petit peu cet ensemble-là de manière, une sorte d'apothéose merveilleuse, avec l'immense couronne sur la tête. Alors tout irait bien s'il n'y a pas l'histoire de Bathsheba juste avant. Quoi. Donc c'est étrange que le moment... terminal, hein, le moment, cette apothéose, c'est cette consécration de David au sens le plus fort, suive un épisode aussi terrible. Et encore un dernier point, qui est le lien avec un texte, pas juste avant, mais un tout petit peu, qui est la fameuse alliance d'Hachem avec David. Quand David a voulu construire le Beth Amikdash, et là on voit à quel point on a l'impression qu'on ne parle pas du même personnage, lui qui voulait à tout prix construire un temple pour Hachem, c'est merveilleux, etc. On voit agir de manière assez étrange et complètement opposée. C'est pas possible que cet homme animé d'un tel désir de construire une maison pour Dieu se retrouve à faire une chose aussi horrible, d'accord ? Et pourtant, on peut pas s'empêcher non plus de voir le lien très fort qu'il y a entre ces deux textes, un lien incroyable, insupportable presque, puisque lorsque lui veut construire cette maison pour Hachem lui dit non, ce sera pas toi, c'est moi qui vais te construire une maison. Ce qui veut dire qu'il va avoir un enfant, il lui dit qu'il va avoir un enfant, et que c'est cet enfant qui dans le shalom, dans la paix, construira la maison. Or, précisément, la naissance de cet enfant suit l'histoire de David et Bathsheba. Donc, non seulement que David finit avec une couronne sur la tête, victorieux, un grand roi, mais c'est là que naît l'enfant attendu, et d'ailleurs, on l'entend très bien avec Hachem qui en fait son ami, Yedidia, hein,
Donc, on entend déjà la future construction du Beth-Amikdash. Donc, le David qui veut construire le Beth-Amikdash ne ressemble pas du tout au David qui faute avec Bathsheba, d'accord? Et pourtant, c'est bien là que que va se jouer le rêve de David. C'est grâce à cela, clairement, grâce à cela, que va se réaliser cette volonté de David de construire le Beth-Amikdash. Il ne peut pas construire le Beth-Amikdash, il va construire sa maison, et bien il construit sa maison, clairement. Cette maison lui est construite, ou Hachem lui construit cette maison-là, par ce moyen-là qui est insupportable, qui est l'histoire de David et Bathsheba. Pourtant, à aucun moment, Nathan ne dit que c'est bien, ou Hachem ne dit que c'est bien. Le reproche, on l'a entendu, il était clair. Mais de fait, cette histoire, elle entremêle une accusation évidente de David, c'est pour ça que j'ai tenu beaucoup à la lire telle qu'elle, pour qu'on entende à quel point le texte est, et sans concession, sans aucune concession, c'est très dur, chaque mot, et encore, on ne s'est pas arrêté sur chaque mot, mais on pourrait au moins atténuer parfois certaines paroles, certaines attitudes de David, or c'est tout le contraire qui est fait. On nous présente un David dans l'aspect le plus froid, le plus dur, le plus vraiment celui qui n'a aucune pitié, aucun remords, enfin quelque chose d'insupportable qui va jusqu'au bout de ses intentions. Et en même temps, c'est par cela que s'exprime ce clos, l'intronisation de David, la consécration de David et le début de la construction du Beth-Amikdash. On ne peut pas détacher les deux choses. C'est clair que c'est lié à la problématique. Comment ça se fait que ce texte se termine bien, finalement? Alors, pour développer cela un petit peu, on va comparer un autre texte qui est très connu. Les comparaisons ne sont pas tellement nombreuses. Certains ont voulu vraiment essayer de coller sur les mots, etc. Je pense que c'est un peu exagéré. On n'est pas, je pense, face à deux textes véritablement parallèles, comme on peut trouver dans Tanakh. C'est plus au niveau des idées que dans la réalité ici du schéma ou des textes qu'on verra la comparaison. Encore une fois, certains ont essayé vraiment d'aller jusqu'au bout, mais ça me paraît un peu poussé. Mais on a un texte, évidemment, qui nous fait penser un petit peu à cette histoire-là, peut-être pas dans le schéma littéraire, mais dans le schéma de pensée, c'est-à-dire dans la façon de mélanger comme ça la faute, l'erreur, l'égarement, clair, sans aucun doute, d'accord, et en même temps, le début d'une réalisation, d'une promesse, de quelque chose qui est plus que merveilleux. Alors, vous y avez certainement pensé, c'est l'histoire de Yehuda et Tamar, c'est ce que nous allons voir. On va lire le texte, on va voir effectivement les liens qui y a entre ces deux textes-là. C'est juste après l'histoire de la vente de Yosef, où Yehuda, pour la première fois de l'histoire, c'est la première fois que Yehuda joue un rôle hein, dans l'histoire de Sefer Bereshit, hein, de Yosef et de ses frères, quand il dit qu'est-ce qu'on a gagné à tuer notre frère, on n'a qu'à le vendre. Et donc c'est Yehuda qui prend cette initiative-là de vendre Yosef pour lui sauver la vie dans une certaine mesure, mais en même temps pour se débarrasser de lui et de le vendre comme esclave, ce qui est quand même une chose terrible. Donc il y a et on retrouve. Et je ne connais pas beaucoup d'endroits de ce type-là. Je n'ai pas les mots, c'est dommage, pour pouvoir bien vous l'exprimer si vous l'avez avec plaisir. Vous avez une personne qui est dans un état d'égarement, un égarement peut-être plus intérieur, hein, qui est lié à une décision qui a mal été prise, à une responsabilité qui n'a pas été prise à la hauteur qu'il fallait. Et suite à cela, vous voyez que la même personne va agir de manière indigne, d'une certaine façon. Alors, je répète, non pas qu'il y ait un lien direct, c'est-à-dire que tel élément de l'histoire a entraîné clairement tel autre élément de l'histoire. Le lien, il est uniquement au niveau du personnage. C'est un personnage qui s'est montré sous un aspect négatif, sous l'angle négatif en termes de responsabilité, qui a manqué à ses responsabilités. Et à partir de là, ce personnage, vous le voyez comme un personnage vil, comme un personnage médiocre, comme un personnage. Et donc, on raconte une histoire qui est pire que la première, d'une certaine façon. Mais en même temps, voilà, c'est une histoire de décadence. Alors, la littérature, dans la Torah, je ne connais pas beaucoup d'exemples comme ça, mais dans la littérature, c'est très, très, très courant. Vous avez des personnages, d'une certaine façon, qui ont commis une erreur, une sorte, une fois, et qui, à partir de la suite à cette erreur-là, sont dans une sorte de chute. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de la chute de Camus. Alors, il n'y a pas d'erreur primaire comme dans nos histoires à nous. Il y a une sorte de réflexion première qui fait que la personne ensuite est dans une forme de décadence.
Et cette décadence connaît un élément déclencheur, d'accord? Qui aurait pu ne pas se produire, dans ce cas-là, on n'aurait pas eu toute la suite. Donc, ce n'est pas la décadence de quelqu'un qui, j'essaie de bien me faire comprendre, ce n'est pas la décadence de quelqu'un qui, une première fois, est intéressé par quelque chose qui a voulu assouvir un désir, puis un deuxième, puis un troisième. Ce n'est pas dans ce type-là de décadence. C'est une décadence de quelqu'un qui était bien, qui était vraiment très bien. Et puis, il y a eu une sorte de rupture, vraiment une brisure, d'une certaine façon. Et cette brisure-là fait que tout d'un coup, la personne, elle, c'est une autre personne. Il y a un aspect vil, comme quelqu'un qui n'est plus la, qui, comme si ce n'était plus la même personne. Et donc, on voit la même chose un petit peu chez Yehuda. Où Yehuda, on vient de nous raconter qu'il l'a vendu son frère. Et le texte ne fait aucun lien, on n'est pas directement lié. Un petit peu comme David, qui n'est pas là où il aurait dû être, il n'est pas à la guerre. Et ne pas être à la guerre, il y a quelque chose qui ressemble à vendre son frère, c'est-à-dire à ne pas prendre la responsabilité envers les autres. Quand on est un roi, quand on est un chef, on doit faire attention. D'ailleurs, pour David, ça allait beaucoup plus loin que ça, c'est qu'il va même envoyer un de ses soldats à la mort. Enfin, et d'ailleurs, il n'y aura pas qu'un de ses soldats lors de ce combat, d'autres vont mourir. Donc, on est dans une faute grave de responsabilité envers ses frères, où je suis censé les protéger, etc. Et là, dans le cas de Yehuda qui va le vendre, pour ne pas le tuer, mais David qui n'est pas là à leur côté quand ils se battent, et qui va même faire pire, qui va les envoyer à la mort. Donc, ça, c'est cet élément déclencheur premier. Alors qu'avant, tout va bien. Alors qu'avant, pour Yehuda, pas spécialement, parce qu'il y a une histoire rien de très précis qui raconte à son niveau, mais on a une image comme ça où dans la famille, tout se passe bien. Et puis, tout d'un coup, voilà, un homme qui fait la chose qu'il ne fallait pas faire, et ben, c'est cet homme-là, et le projecteur est tout de suite porté que sur lui, pas sur les autres frères qui ont participé. Il n'y a que de Yehuda qu'on parle. Alors, regardez comment c'est dit. Il arriva à ce moment-là, « Yered Yehuda me'etechav ». Yered Yehuda me'etechav, c'est difficile à traduire. Yehuda est descendu de chez ses frères. Donc on avait une image de la famille unie, ensuite la famille désunie parce que Yosef n'en faisait plus partie, parce qu'ils ont décidé d'aller faire paître le troupeau sans lui. Et donc, pour éviter cela, pour créer un shalom, le terme est utilisé, eh bien, Yaakov envoie Yosef vers eux donc pour réunifier cette famille. Et finalement, au lieu d'unifier cette famille, ils vont s'en débarrasser. Mais on aurait pu croire que suite à cela, puisqu'ils se sont débarrassés de lui, ben, un crime commun rassemble ceux qui ont participé à ce crime. Au contraire, va les lier de manière très très forte. Or, ce qui est très étonnant, et en plus le verbe la redette ici est très intéressant, c'est que celui qui devrait descendre juste après, Yosef qui devrait descendre. Il va descendre en Égypte. Et d'ailleurs, on va tout de suite faire un saut au chapitre suivant, vous allez voir, le texte ici est tout à fait parallèle, fait exprès. Mais Yosef hurad mitzrayma. Une fois qu'on aura fini l'histoire de Yehuda, on va raconter l'histoire de Yosef qu'on a interrompu en fait. On aurait dû continuer directement avec l'histoire de Yosef. Yosef a été vendu, et on aurait dû poursuivre, et Yosef, hurad mitzrayma, a été descendu en Égypte. On l'avait dit d'ailleurs, on l'avait clairement dit qu'il est descendu en Égypte. Donc on revient là où on était. Et puis on interrompt cette histoire pour nous parler de Yehuda, pour nous utiliser le même verbe qui est une descente, une chute. Une décadence en fait. Donc la descente de ses frères, de chez ses frères, il faut l'entendre comme une faillite, même dans le projet négatif qu'on avait imaginé. Le prophète dit Shuva Israël, je reviens à Israël, ki chashelta ba'avonecha, car tu as trébuché par ta faute. Alors, la lecture première, car tu as trébuché par ta faute, c'est-à-dire en fautant, tu as trébuché. Ta faute t'a fait trébucher. Il y a une lecture qui est peut-être pas pshat, d'après certains, c'est le pshat, hein, mais peut-être pas pshat, mais peu importe, qui s'entend très bien, qui veut dire ki chashelta ba'avonecha, tu as trébuché dans ta faute, c'est-à-dire même ce que tu pensais obtenir par la faute, même ça, tu ne l'as pas eu. Chashelta, tu as échoué. Tu voulais quelque chose, c'est pour ça que tu as fauté, et finalement, même ce que tu voulais, tu ne l'as pas eu. Donc, on s'est débarrassé de Yosef parce qu'on voulait une famille qui soit forte sans lui, mais finalement, celui qui a fait cela, c'est lui qui descend, et il ne fait plus partie de la famille. Donc, on voit bien ici cet élément premier qui est un élément de manque de responsabilité et qui entraîne pour la personne qui a manqué à sa responsabilité, quelqu'un de qui on attendait quelque chose, une forme de décadence, une forme de chute, qui va être le début d'une autre histoire, parce qu'en vérité, l'histoire qu'on va avoir devant nous, c'est un chapitre, mais c'est de très nombreuses années qui vont se dérouler devant nous. C'est très nombreuses années lues, présentées comme un seul mouvement, une chute. Tout ça, c'est la même chute, d'une certaine façon, où Yehuda va se marier, Yehuda va avoir des enfants, les enfants vont grandir, les enfants vont se marier, donc vous imaginez,
ils vont mourir. On va attendre un petit peu. Et le troisième enfant va encore grandir. Donc, c'est des années qui passent. Hein. Jusqu'à ce que Yuda prenne Tamar. D'accord ? Et donc, on est vraiment dans une sorte de où Yehuda ne fait plus du tout partie de la famille. Toutes ces longues années, il n'a plus rien à voir avec sa famille. Il est entouré de Cananéens, il est marié avec une Cananéenne, ça n'a plus rien à voir, d'accord ? C'est celui qui finalement s'est retrouvé rejeté, celui qui est tombé de la famille, c'est lui. Et donc, il voit une Vayar, Sham, Yehuda, vu là-bas, Bat Ishkenaani, la fille d'un homme cananéen. Alors, voir la fille d'un homme cananéen, alors évidemment, c'est les liens que si je recherche ceux qui veulent à tout prix recoller les deux textes, enfin, pensez à David qui a vu la femme de Uriah Hachiti. Les Hittites sont des Cananéens. Hein. Les Hittites sont Cananéens, donc il y a une sorte de ressemblance que David voit la femme. Alors, là, c'est la femme d'un homme, donc elle n'est pas mariée, d'accord. Cette première femme. Il y a déjà quelque chose qui ressemble. Ushmoshua. Alors là, par contre, c'est assez incroyable. L'homme s'appelle Shua, donc c'est la fille de Shua. Comment vous dites la fille de Shua? Ben, c'est Bat Shua, on est presque dans le Bat Sheva, d'accord? Alors Sheva, c'est quelqu'un bête. Et c'est son nom, elle s'appelle Bat Sheva, c'est pas que son père s'appelle pas Sheva. On a vu que son père s'appelait Eliam. Mais les consonances ici sont quand même assez surprenantes. Il l'a prise, il est venu vers elle, donc il n'y a pas de véritable faute au sens qu'on est avant dans la Torah, etc. Mais se marier avec une femme cananéenne, alors qu'on sait que jusqu'à présent dans la Torah, on a beaucoup moins cité, surtout ne pas se marier avec des femmes cananéennes. Ça participe, je veux dire, à cette décadence, au fait de ne plus appartenir à la famille. Comme si maintenant qu'il y a eu un manque de responsabilité, la personne ne se donne plus la force, le courage, l'envie ben, d'être digne. Et qu'à partir de là, ben, je ne dis pas tout est permis, parce qu'on n'a pas ici la présentation de quelqu'un qui tout d'un coup se croit tout permis, ce n'est même pas cela. C'est peut-être quelqu'un qui ne se croit plus à la hauteur, c'est très différent, qui ne se croit plus capable, ne se sent plus du tout méritant, se sent rabaissé d'une certaine façon. Et à partir de là, bah, je ne vais même pas utiliser ce complet, parce qu'il n'y a aucun plaisir là-dedans, mais se résigne plus exactement, plutôt que se complaire, se résigne à être médiocre. Elle a conçu, elle a enfanté un fils, et ce fils s'appelait Er. Ensuite, elle a enfanté un fils, il s'appelle Onan, d'accord. Encore un troisième fils, il s'appelle Shéla. Et il était actif, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, parce qu'on n'étudie pas ce texte-là, au moment où elle a enfanté le troisième. Et Yehuda donc a pris une femme pour Er, son aîné, et qui s'appelle Tamar. Et Er donc était Ra Béni Hachem, mal aux yeux d'Hachem, expression qu'on a dans notre texte à nous. Une fois que David a fait ce qu'il a fait, on a dit ça c'était mal aux yeux d'Hachem. Et il a mis à mort. Or, précisément, moi, c'est ce qui va m'intéresser le plus dans la comparaison, c'est que c'est tous les intérêts de chaque fois que vous avez une comparaison, c'est de voir ce qui ressemble, mais de voir surtout ce qui ne ressemble pas. Puisque quand Hachem voit que quelqu'un agit mal envers une femme, il est mis à mort, logiquement, ce texte-là que nous devrions avoir en écho, comme ça, en tout cas, ici en arrière-plan, devrait nous faire penser que ben, David aussi sera mis à mort. Si c'est Arabe et Hachem, la suite c'est va imiter ou Hachem. Et c'est pas d'envoyer Nathan, que Nathan dit écoute, c'est pas bien ce que tu as fait, oh, excuse-moi, d'accord. Et donc celui qui meurt finalement c'est l'enfant. Donc il aurait dû y avoir une mise à mort de David, et cette mise à mort de David qu'on aurait pu imaginer de toute façon en lisant le texte, hein, est d'autant plus renforcée par la comparaison avec l'histoire de Yehuda et Tamar. Donc Yehuda va dire à Onan, viens vers la femme de ton frère et fais le hiboum, c'est-à-dire accomplir le lévira pour qu'un enfant naisse qui porte le nom du frère. Hakem zera la richa et érige une postérité pour ton frère. Mais Onan savait que la descendance ne sera pas la sienne. Et donc lorsqu'il allait avec la femme de son frère, donc il a fait en sorte de ne pas la rendre enceinte. Donc il savait que sa descendance ne serait pas la sienne. Retenez cette idée-là, parce qu'on va se poser la question, ce qu'on n'avait pas fait la fois dernière, est-ce que Uriah a compris de quoi il s'agissait? On a présenté Uriah comme quelqu'un de naïf, je ne sais pas naïf, en tout cas comme quelqu'un qui n'était pas au courant du méfait de David, et qui était un héros, et le texte fait tout pour le présenter comme un héros extraordinaire, prêt à rester accouché à terre, parce que ça ne se fait pas d'aller voir sa femme alors que les soldats sont au loin, etc.
Si on dit que Uria a compris ce que David a fait, ou on lui a dit ce que David a fait, il veut surtout pas aller avec sa femme, et là on pourrait appliquer la même phrase, Kilo lo yazara, parce que c'est pas à lui que sera la descendance, il sait très bien que l'enfant qui va naître, c'est pas le sien, au sens propre. Ce qui n'est pas le cas de Onan. Onan, l'enfant qui naîtrait, ce serait le sien au niveau de la descendance, mais ce serait son fils qui ne porterait pas son nom d'une certaine façon. Mais dans le cas d'Uria, c'est l'inverse. Ce ne serait pas mon enfant du tout. Donc, regardez comment les histoires se ressemblent pour s'opposer. Hein. On est dans un cas d'un homme à qui on demande d'avoir une relation avec une femme pour avoir un enfant, pour que l'autre ait une descendance. Alors que dans ce cas-là, David demande à cet homme-là d'avoir une relation avec sa femme parce qu'en réalité, elle est déjà enceinte d'un autre homme. Vous voyez comment on utilise les mêmes éléments, la même problématique, mais on la renverse complètement. Alors, on va faire un rapide tour dans le texte de Sefer Shmuel pour s'interroger ce que sait Uria de ce qui s'est passé, ce qu'il ne sait pas. Donc, à partir du verset 5, juste, oui, un point très important avant ça, l'importance, je vous ai dit, on l'avait vu, du verbe Vaishlach, 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 David Vaidrosh, Laisha. David a envoyé s'interroger, et on lui a dit, n'est-ce pas que c'est Bathsheba, etc. Vaishlach David Malachim et Kachadé a envoyé de la rime, il est parti la faire chercher. Elle est venue vers lui et il a couché avec elle, etc. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand on multiplie les émissaires et les envoyés, vous imaginez bien que c'est difficile de cacher ce qui s'est passé. Donc David agit sans, vous avez bien remarqué, hein, le texte le montre très bien, sans prendre de gants, sans essayer d'être discret dans ce qu'il fait. À ce moment-là, vous allez me dire, oui, pour rien, il va essayer de cacher, c'est vrai, mais à ce moment-là, non. Clairement non, rien n'empêchait d'inventer n'importe quel prétexte pour passer par là, aller chez elle, je ne sais quoi, ou la faire venir, etc. Mais aller envoyer, dire c'est qui celle-là, c'est Bathsheba. Donc j'ai entendu qu'il parle de Bathsheba. Ensuite envoyer d'autres personnes pour venir la chercher. Et d'ailleurs regardez comment c'est très simple. Vaishlar il l'a prise, Batavoela, elle est venue vers lui, Vaishkavima. D'accord. Et ensuite retourner dans sa maison. Donc il y avait des gens qui étaient nécessairement au courant. Ensuite elle est tombée enceinte. Elle a fait envoyer, raconter à David, là c'est la partie qui ressemble le plus à notre texte, quasiment mot pour mot, on va le voir plus tard. Elle lui dit, je suis enceinte, très bien. Et là, une fois qu'elle apprend, seulement une fois qu'il apprend qu'elle est enceinte, qu'il envoie chez Yoav pour faire venir Uria. Yoav apprend qu'il va aller chercher Uria. D'autres personnes l'apprennent aussi. Uria va quitter le champ de bataille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Uria va quitter le champ de bataille? D'accord? On va lui remettre une médaille? Non, il n'y a pas écrit. Donc Uria vient chez lui, David lui demande comment ça va, etc., etc. Uria, à ce moment-là, évidemment, n'a pas idée de ce qui a pu se passer, mais il doit probablement se demander, mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir? C'est bizarre. Pour lui demander comment ça va, voilà. C'est très étrange, d'ailleurs, vous avez fait un cas la semaine dernière, le texte ne nous dit pas parce que ça n'a pas d'importance. Il lui a certainement répondu, mais on ne dit pas ce qu'il a répondu. Mais il doit sûrement se demander, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Et là, la seule chose que lui dit David, le concernant, il n'invente pas un mensonge quelconque pour lui dire, tu sais, j'ai besoin de toi pour ceci. Va dans ta maison, va laver tes pieds. Descends dans ta maison, va laver tes pieds. Et, va laver tes pieds, en plus, ça a un sens, il faut le savoir en hébreu, qui est une sorte d'euphémisme pour dire que tout simplement quelqu'un est mis une semence aussi. Donc c'est quand même assez gros, quoi. Et Uria est sorti de la maison du roi et est sorti avec lui un cadeau. Mais pourquoi est-ce qu'on m'offre un cadeau? Rien, il n'y a pas d'explication. Je te félicite, si tu es un héros, rien du tout. Et ce que fait Uria, sans savoir encore une fois, il n'y a pas de raison de penser qu'il a compris quoi que ce soit, mais de fait, il ne va pas dans la maison comme David lui a demandé. Il se couche à la porte du palais avec tous les serviteurs du roi. C'est qui les serviteurs du roi? Ce n'est pas les mêmes serviteurs dont on parle, la même expression, ceux qui sont à la guerre. Ceux qui sont à la guerre, ce sont les gens qui sont là depuis des jours, des semaines, des années, peut-être autour du roi. D'accord? Veloyara de Beto, et il n'est pas descendu dans sa maison. Et donc, on a raconté à David qu'il Uria n'était pas descendu dans sa maison. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit qu'il a passé par terre à la porte du roi? Avec tous les serviteurs. Il n'y a personne qui lui a rien dit. Le bruit circulait certainement. Je ne peux pas l'affirmer de manière totale, donc je ne peux pas imposer cette lecture au texte, mais je peux m'interroger en tout cas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
D'accord? Encore une fois, je vais pas faire dire au texte qu'il n'a pas dit, mais de fait, on a vu que des gens sont certainement au courant et qu'Ourya se retrouve en présence de gens qui sont peut-être au courant. Donc, je garde ici l'aspect hypothétique. Mais c'est clair que je ne suis pas dans un texte qui m'empêche clairement de penser qu'Ourya est au courant. De fait, Ourya, quand il est parti, se doutait probablement de rien. Mais après avoir passé cette nuit dehors, après des serviteurs du roi, et qu'il n'est pas descendu dans sa maison, il a peut-être entendu quelque chose. Peut-être. Donc on va voir David, on dit Ourya n'est pas dans. David a dit Ourya, allons, Midera, mais voilà, tu es nu de chemin, pourquoi tu n'es pas descendu de ta maison? Et encore une fois, Ourya devrait se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir? C'est quand même assez étrange. Et pourquoi la seule chose qu'il demande, c'est que j'aille dans ma maison, quoi. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et là, écoutez bien la parole de Ria, vous la connaissez, on l'a déjà lue ensemble. Mais essayez maintenant de mieux l'entendre avec tout ce qu'on a supposé, entendu, toute cette charge-là qu'il y a derrière. Il met Ouria et David. Et Ouria dit à David, Aaron, Israël, Yehuda, Yoshvim, Basukot. Voilà que l'arche, Israël et la tribu de Yehuda sont installés dans des soukottes. Ils avaient dit la même expression un petit peu qui ressemblait quand David avait dit à Hachem, voilà, le prophète, le Beth Amikdash, le Mishkan, il est dans des tentes importantes, etc. Il faut un palais pour Hachem. Donc c'est très joli comme langage. Vadoni Yoav et mon maître Yoav, Ve'avde Adoni et les serviteurs de mon maître, Alpene Asadechonim, campent dans le champ. C'est qui Avde Adoni? Qui est son maître là-dedans? Il y a une explication de Mara qui veut dire que clairement ici, Yoav insulte David en disant que son maître c'est Yoav, pardon, pas Yoav, Ouria insulte David en disant que son maître c'est Yoav. Mon maître Yoav et les serviteurs de mon maître, c'est le même mot qui apparaît évidemment. Ça veut dire qui sont les serviteurs de moi, c'est qui mon maître? C'est Yoav. Or son maître, c'est pas Yoav. Alors on peut très bien dire que Adonai Adoni, il parle à David, et en parlant à David, il est serviteur de David, c'est clair. Mais malgré tout, on entend ici que le personnage de Yoav est mis en avant, clairement, alors ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est que le peuple d'Israël est en train de faire la guerre. Et donc, le personnage de Yoav est clairement mis en avant en opposition avec ce que David attend de lui. Va Ani, Avoel, Betil, Erol, Elishtod, et moi j'irai dans ma maison pour manger et boire, d'accord, etc. Ça, c'est une première chose. Mais il y a autre chose, puisque nous, on l'a vu depuis le début du texte. Nous, lecteurs, on a compris qu'il y avait un problème que David ne soit pas là-bas. Donc la suite de la phrase de Israël, le Aaron, Israël et Yehuda sont installés dans des soukottes, et mon maître Yoav, les serviteurs de mon maître sont sur le campement, la suite, ça aurait été, et toi, Tavo El Beti, tu viendrais dans ma maison, ou tu resterais dans ta maison, peu importe, si on ne peut pas encore y voir ici une compréhension qu'a Ouria de ce qui s'est passé. Sans entrer même dans une sorte de conscience qu'il s'est passé quelque chose, mais il y a une autre conscience qui est claire, qui est que en insistant très fortement sur le fait que lui n'est pas prêt à retourner dans sa maison, alors que le peuple est en guerre, le Aaron, etc., il y a évidemment ouvertement une critique de David qui lui est resté dans sa maison. Mais plus encore, si on comprend qu'en fait, David était dans la maison d'Ouria, ou que la maison d'Ouria est devenue chez lui. C'est encore beaucoup plus dur. J'essaye de bien vous montrer comment ce que dit Ouria, qui nous est apparu à juste titre, hein, j'insiste beaucoup, vraiment, je ne change pas du tout cette idée-là, bien au contraire, à juste titre, Ouria présenté dans le texte comme une sorte de héros, un homme sans fidèle, sans reproche, etc., apparaît maintenant clairement comme une forme d'accusation très forte envers David. Alors, on peut dire une accusation sans aller plus loin que tu n'avais pas resté ici alors que nous sommes en guerre et que le. Etc. Déjà ce genre d'accusation. Comme si Ouria veut se présenter comme étant un homme qui n'a pas fait l'erreur qu'a fait David. Mais on va aller un peu plus loin encore. Vani avou el beti, et moi je viendrai dans ma maison, les chol velishtot pour manger et boire, velishkav im ishti, et pour coucher avec ma femme. C'est quand même assez inattendu comme fin de phrase. Chayecha vechen afshecha par ma vie et par la vie de mon âme, si je faisais une chose pareille. Qui t'a dit, on ne t'a pas demandé de faire ça, même si c'est normal. Mais ce que le roi t'a demandé, c'était dire, va, rentre chez toi, red levetecha, ou chatzraglecha, va dans ta maison, lave tes pieds, va te reposer, etc. Tu as eu le droit à une permission, d'accord?
Pourquoi Uria, qui est tellement, on voit les mots forts, pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre les pieds dans le plat, d'une certaine façon, de dire les choses avec une manière aussi crue, voilà, comme maître, etc. Et moi, je vais entrer dans ma maison, je vais manger, je vais boire, mais l'ishka, l'imishti, c'est quand même, il y a d'autres façons de dire les choses, quoi. Ce n'était pas nécessaire d'être aussi clair. Comme si Uria veut clairement dire ce que tu attends de moi, c'est ça, j'ai bien compris. Je sais pourquoi tu attends de moi cela. Donc, Urias, même si on ne va pas jusqu'à dire cela, parce qu'encore dans le texte, jusqu'au bout, on ne peut pas clairement affirmer qu'Urias a appris ce qui s'est passé, même si je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous le faire supposer très fortement, le simple fait d'être resté la veille, etc. Et puis le fait qu'il ose dire les choses de manière aussi claire à David, c'est une manière un peu couverte d'accuser David d'avoir abandonné le peuple dans situation très difficile, de ne pas être là où lui devrait, et d'avoir fait quelque chose qui est insupportable et que maintenant il lui demande de couvrir. Par ma vie et par ta vie, mais si je faisais cette chose-là, laquelle? D'aller couvrir ce que toi tu as fait. Alors je reprends maintenant le texte qu'on a vu dans de Yehuda et Tamar, lorsque Onan va dire les Vilti n'étant Zera les Achiv, pour ne pas donner une descendance à mon frère. Mais je ne vais pas donner, ici, je ne vais pas couvrir une fausse descendance qui n'est pas la mienne. Et donc, je reviens maintenant à l'histoire de Tamar. Gamboto. Et donc, c'était mal aux yeux d'Hachem ce qu'il a fait, et il l'a mis à mort lui aussi. Yehuda va dire à Tamar, Kalato Sabru, Chevi Almana Vetavir. Tu vas rester veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que grandisse mon fils Shéla, qui a marqué, en fait, il s'était dit. Donc c'est le texte qui nous révèle les vraies intentions de Yehuda. De peur qu'il ne meure lui comme ses frères. Donc Tamar est allé, Batéchev et Taviel est resté dans la maison de son père, dans l'attente que Shéla grandisse. D'accord. Et les années sont passées, beaucoup d'années sont passées. Batshua, la femme de Yehuda. Vainachem Yehuda, et Yehuda donc, a été consolé après la mort de sa femme. Vayal al-Gozezetsono, et il est monté pour aller faire la tonte de ses brebis, Hira Reo Adulami, ainsi que son ami Hira de Adulam, à Timna. Et on a raconté à Tamar, etc. Et là, on a la fameuse histoire de Tamar qui va enlever ses vêtements de levage et qui va donc se couvrir comme se couvre une prostituée et va se trouver donc à un endroit. Parce qu'elle savait que normalement, Shéla aurait dû lui être donné, donc elle part dans son esprit, dans une bonne intention, pour réparer un tort qui lui a été fait. À ce titre-là, elle se croit autorisée donc à attirer Yehuda pour avoir un enfant de lui, parce que son but à elle, c'est quelque chose qui, dans son esprit, est tout à fait noble, de donner une descendance à son mari défunt. Yehuda l'a vu. Donc Yehuda l'a vu, il a cru que c'était une prostituée, etc. Et puis, comme si de rien n'était, le texte nous montre là aussi aucune réflexion intérieure, aucune difficulté, aucun même pas d'expression de désir, hein, même pas ni le désir ni non plus le combat. Il a dévié du chemin vers elle et il a dit Havana abo elaïr, voilà, je vais aller vers toi. Kiloyadakirak, évidemment, il ne savait pas que c'était sa bouche. Donc on est dans la suite de cette décadence dont je vous ai parlé, d'un Yehuda qui est descendu de ses frères, d'un Yehuda qui se marie avec une Cananéenne, d'un Yehuda qui a des enfants qui meurent parce que ses enfants se comportent mal, tout va mal. Et qui continue à faire mal parce que son troisième fils a grandi et qu'il aurait dû au moins, cette fois-ci par responsabilité, donner cet enfant-là. Et vous allez voir, c'est la même faute que la première de départ, celle qui était préalable. Il avait manqué de responsabilité envers son frère. Envers son frère. Ben, il a manqué de responsabilité d'un frère envers un autre. Il n'a pas voulu que Sheila donne une descendance à son frère. C'est encore une fois un problème de fraternité ici, même si c'est lui le père. Lui, il a manqué de fraternité envers son propre frère. Il a fait en sorte que dans la famille, d'une certaine façon, se reproduise la même erreur où c'est chacun pour soi et personne ne s'inquiète de son frère. Et c'est Tamar qui va essayer, elle, par contre, de réparer cela. Tamar, c'est l'inverse de Yehuda. C'est celle qui, au contraire, donne sens à la fraternité. Et donc, lui qui, dans son histoire, vous avez vu, c'est un Yehuda qui n'a plus rien à voir avec la famille d'Israël, plus rien à voir avec Yaakov, qui ressemble à un Cananéen, vraiment dans sa façon de se comporter. Il dit, bon, je vais envoyer de quoi payer cette femme. Et elle lui dit, non, non, je veux un...
je veux des preuves. Donc, je veux un gage, en fait. Je dis des preuves parce que ça va, évidemment, ça va servir de preuve. C'est en vérité l'intention. Donc, il va lui donner un gage. Et finalement, donc, il va avoir un enfant et elle va tomber enceinte, comme est tombée enceinte Bathsheba. Elle se lève, elle enlève ses vêtements, etc. Et Yehuda va essayer de la retrouver, il ne la retrouve pas. Bon, tant pis. Et un peu plus loin, ce fut au bout de 3 mois. Vous voyez, Kemishlosh Rodashim, ce fut au bout de 3 mois. Yugad Yehuda est mort. Il a été raconté à Yehuda en disant Zanta Tamar Kalatecha, ta bru Tamar s'est prostituée littéralement. Mais Gam Hine Haral Iznounim, voilà, elle m'a enfanté dans cette débauche. Comment réagit Yehuda? Yehuda dit Hoti Ua Betisaref, qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle. Ça ressemble beaucoup à David, à qui on raconte une histoire. Et donc, il ne sait pas qu'on raconte son histoire. Là-bas, on lui, la fameuse parabole, l'homme qui avait très riche, etc. Et Nathan lui dit, mais il doit être mis à mort, celui-là. Yehuda, c'est plus intéressant encore, parce que ce n'est pas une histoire inventée. On lui raconte vraiment son histoire. On lui dit, voilà, cette femme, elle a eu un enfant. Mais cette femme, elle a eu un enfant avec toi, en fait. On lui dit les choses. Et face à cela, il dit bah, qu'elle soit mise à mort. La ressemblance est vraiment très forte ici. Et alors qu'elle est sortie pour être mise à mort, elle réagit avec une discrétion incroyable, parce qu'elle aurait pu tout déballer sur la place publique, avec intelligence et beaucoup de respect et beaucoup de danger. Et elle va dire « Les ish asher et les lo anochi hara » C'est à celui à qui ça appartient que je suis enceinte. Donc je ne vais pas dire qui c'est. Et elle va dire, reconnaît, les miachot, on a qui c'est, d'accord. Yehuda a reconnu, et il a dit, voilà, c'est juste ce qu'elle a fait. Elle était plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donné à Sheila. Velo yasaf odedata, et il n'a plus, le yasaf od n'a plus recommencé à la connaître. Donc, une fois, il l'a connue, et n'allait pas penser qu'ensuite, il a eu à nouveau des relations avec elle. Alors, moi, l'enfanté des jumeaux, etc. Là, vous avez vu les liens et les différences, très importantes. Regardez le texte chez nous. Quand Uria, finalement, est envoyé à la mort, donc effectivement, il va l'envoyer à la mort, on reviendra là-dessus. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette comparaison entre David et Yehuda. David va aller chercher David va aller chercher Bathsheba. Bathishma eshet Uria kimet Uria isha. Et la femme d'Uria a appris que son mari Uria était mort. Bathispod, donc elle a pris le deuil, elle va là sur son mari. Le deuil est passé. Ishlach David, encore une fois, Ishlach David a envoyé. Asfa el Beto, il l'a ramené dans sa maison. Il a tenu sa femme. Donc c'est exactement le contraire de Yehuda. Qui, après qu'il ait compris ce qui s'est passé, ben, il a décidé de ne plus avoir de relation avec elle. Alors, là, on pourrait dire, mais on est encore, en vérité, pour David, dans son état de décadence, puisqu'on n'est pas encore dans le moment où il a parlé. Or, on l'a vu déjà la fois précédente, ce n'est pas juste là qu'il a décidé de la prendre. Une fois qu'il a attendu qu'elle soit morte, c'est bon, maintenant tu viens chez moi à la maison. Mais il y aura d'avoir. La chose était mauvaise aux yeux d'Hachem, d'accord ? On aurait dit, il l'a mise à mort. Il n'a pas du tout mise à mort, il a envoyé une histoire de Nathan. Mais la suite, surtout, c'est cette fin tout à fait inattendue, notre texte. Hein. Quand finalement tout est clair, d'accord, tout est clair, l'enfant qui devait naître est né et il est mort, d'accord. Qu'est-ce que fait David? Vaïnachem David et Bathsheba ishto. David a consolé Bathsheba, sa femme. On l'avait appelée la femme d'Uria jusque-là. Vayavo Eléa. Voilà la première chose qu'il a à faire. Après 7 jours, il est venu vers elle. Vayishkavima. Vatelet ben, Vatikrat Shemo, Shemo, Yashem Aevo. D'accord. Donc, la fin de l'histoire de Yehuda et Tamar, c'est une séparation. Quand je dis séparation, ce n'est même pas le terme, ils n'étaient pas unis. Mais c'est le fait que jamais Yehuda n'est retourné vers elle. D'accord. Même s'il y a un midrash très intéressant qui joue sur le mot, qui dit exactement le contraire de ça. Hein. Il n'a cessé d'aller vers elle. Non, on peut jouer un peu sur les mots, mais le pshat, c'est clair que
il n'est plus retourné vers elle. Et le texte a besoin de nous le dire. N'allez pas penser que, une fois que cette histoire est passée, Tamar est devenue la femme de Yehuda. Ce n'est pas imaginable. Il a fait une chose qui n'était pas bien, qui dans l'esprit de Tamar et dans l'esprit du texte, évidemment, paraît très positive en vérité. C'est quelque chose de bien qui en est sorti. Ce n'est pas pour autant qu'il va la prendre chez elle, parce que ça reste sa bru, ça reste un inceste. Quelque chose qui Donc, il y a un mal qui a été fait. De ce mal, il y a un bien qui en sort d'une certaine façon. On n'est pas encore arrivé, mais ça fait partie de la comparaison, évidemment. Mais en tout cas, on va pas reproduire le mal. Alors qu'ici, oui. C'est très étrange que finalement, il a mal fait, donc voilà, maintenant il la laisse. Non, pas du tout. Il la garde, ça devient sa femme, etc., etc., etc. Alors, on pourrait répondre, peut-être, que dans le cas de Yehuda et Tamar, c'est un inceste, on ne va pas reproduire la fille de son fils, etc., et que ce n'est pas quelque chose qu'on ne va pas reproduire. Et que dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Maintenant qu'il est mort, il ne va pas l'abandonner, la pauvre femme. Il faut bien, on pourrait dire ça. Or, dans la halakha, ça fait partie de ce qui est horrible dans notre histoire, quand un homme a une relation avec une femme de manière adultère, il n'a pas le droit de la prendre comme femme ensuite. C'est quelque chose d'une très grande indignité, c'est quelque chose d'horrible d'une certaine façon. Il a fauté une fois, on ne va pas en plus maintenant officialiser ça. Enfin, c'est quelque chose qui est inadmissible. Il est interdit de se marier avec l'amant. C'est quelque chose qui, et pourtant, c'est ce qui se passe ici. On officialise, on lui dit, c'est plus qu'une officialisation, c'est une consécration, ça donne naissance à un autre enfant aimé par Dieu. C'est quelque chose de compliqué. Très, 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 très étrange. D'accord ? Donc, voilà pour les comparaisons et surtout les différences. Donc, la comparaison, la plus importante en termes d'idées, c'est la comparaison d'un acte négatif qui finit très bien. Qui finit très très bien, c'est-à-dire Yehuda qui en fautant deux fois, en fautant sans compter la faute envers Yosef, c'est-à-dire dans son état de décadence, j'insiste, dans cet état de décadence qui entraîne la faute, au moment de la faute, se produit quelque chose par la faute, j'insiste bien, c'est pas un élément à côté, la faute elle-même participe à une naissance à chaque fois, et une naissance qui est voulu par Hachem de certaines façons. Alors, si tout cela n'est pas suffisant pour voir les ressemblances, ce qui est beaucoup, beaucoup plus puissant que tout cela, c'est que de cette naissance-là naît David, justement. Et que la naissance de Shlomo, c'est la suite, parce que David est descendant de Peretz, qui est né de Yehuda et de Tamar. Donc, on est dans, je ne vais pas dire une reproduction, parce que je vous ai montré assez les différences qu'il y a entre les deux textes, mais on est dans une suite d'épisodes dans lesquels il y a eu décadence, chute, faute, puis naissance, une naissance qui est extrêmement positive. Alors, avec des choses qui se ressemblent sans être les mêmes pour autant, mais c'est quand même trop ressemblant pour être tout à fait pour être considéré comme non pertinent, où il y a la mort de l'un et la naissance de l'autre. Il y a la mort d'un fils et la naissance de l'autre. Alors, ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons, ce n'est pas la même femme dans le cas de Yehuda et Tamar, etc. Mais de fait, il y a des enfants qui meurent les uns après les autres. Et finalement, il y a une autre chose qui se produit qui donne une naissance. Alors là, c'est chez la même femme. Le premier enfant est mort pour que ce soit le deuxième qui prenne la place, d'accord ? Et que celui-là est aimé. Mais chez Yehuda, il s'est passé un petit peu la même chose. Le premier est mort, le deuxième est mort. Et c'est seulement le troisième qui naît de Yehuda et Tamar qui va être... enfin, les jumeaux ici qui vont naître et qui vont donner naissance à quelque chose de grand et de positif qui va devenir David lui-même et qui va devenir Shlomo et la construction du Beth Amikdash, etc., 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 etc. Donc, on est dans un récit qui est le récit d'une chute d'un personnage, d'un grand personnage, d'un manque de responsabilité, d'une faillite quelque part, d'accord, suivi d'erreurs d'autres types, d'accord. C'était un manque de responsabilité envers ses frères au départ, à la guerre, etc. Mais suite... On sent la personne faire n'importe quoi, en fait. Ne plus être encadrée d'une certaine façon. Comme si cette personne, une fois qu'elle avait failli une première fois, n'a plus les repères, n'a plus de limites, n'a plus de contraintes, et finalement se laisse aller. D'accord ? Chez David, c'est plus que se laisser aller. Chez David, on sent vraiment c'est quelqu'un de calculateur qui veut faire les choses. Ça ne ressemble pas à Yehuda qui... De toute façon, on se laisse faire. C'est, chez David, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Mais dans les deux cas, il y a une faute avec une femme, une forme de désir de l'homme qui, sans aucune limite, sans contrainte, qui transgresse ici la morale la plus élémentaire.
pour que finalement une naissance apparaisse et qu'il soit voulu, en tout cas, qui appartienne au projet divin. Donc voilà pour l'importance des ressemblances. Donc, on disait la fois dernière, en introduction, que notre récit fait suite en vérité à l'histoire de David qui voulait construire le Beth-Amikdash d'Hachem et qui a appris qu'il devait naître quelque chose de grand. D'accord ? Il y avait cela. Mais il fait aussi suite, notre récit, à l'histoire de Yehuda et Tamar. Ça fait partie aussi d'une sorte d'origine. Donc, David s'inscrit dans une histoire qui est celle d'une sorte de mélange du mal et du bien. Je dis bien du mal et du bien. Est-ce que ce qui est mal est mal, ce qui est une transgression, et ce qui mérite une punition sera puni, d'accord ? Donc, il y a une sorte de mélange entre le mal et le bien. Sur ce chemin-là, vous pouvez rajouter l'histoire de Boaz et de Ruth dans une certaine mesure, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. Mais il y a quelque chose un petit peu du même type. Bon, il y a également le manque de responsabilité, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi la mort des enfants de Elimelech, etc. Et de cette mort-là, de cette faillite-là, d'une certaine façon, de cette décadence-là, eh bien, naît quand même quelque chose de bien par la suite. D'accord ? Si on devait retenir une différence très importante entre ces récits, c'est la position de la femme. Et là, il faut vraiment, vraiment voir une grande différence. Autant l'homme, David, Elimelech, au début de l'histoire de Ruth, certainement pas Boaz, au contraire, c'est exactement le personnage inverse, mais Elimelech, dans l'histoire de Ruth, qui quitte, ça commence par quitter ses frères, manque de responsabilité envers ses frères, ça continue par ses fils qui meurent, etc., etc., et lui-même qui va mourir. Donc on voit bien ici une sorte de faillite de départ, d'erreur de départ, de manque de responsabilité d'un grand homme, qui à partir de là connaît une chute, une décadence qui semble être totale et absolue pour Elimelech, qui finit en un pays de Moab, et de là on n'attend rien, vraiment on n'imagine plus rien, parce qu'il n'a pas eu d'enfant, et pourtant, de manière tout à fait inattendue, c'est de là que va sortir une Moabite et qui va venir dans le peuple d'Israël. C'est vraiment, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Donc on est dans une vraie histoire de décadence. Et dans le cas de Yehuda aussi, c'est une décadence. Sauf que ce qui sauve Yehuda, clairement, ce qui sauve Yehuda, j'insiste vraiment sur ces mots-là, ce qui le fait sortir de cette chute, ce qui le remonte, ce qui l'élève, ce qui le grandit, etc., ou bien ce qui sauve Elimelech et ses enfants, c'est une femme. C'est la femme qui prend les choses en main. C'est elle qui va assumer sur elle une forme de transgression. Elle suscite cette transgression-là, ou elle évoque cette transgression, parce que dans le cas de Ruth, la transgression ne va pas avoir lieu à aucun moment, mais il y a une sorte d'évocation de la transgression, il y a une sorte de direction vers cette transgression, mais dans le cas de Yehuda et Tamar, de Ruth et de Boaz, qui n'a pas lieu, mais elle est clairement présente dans l'esprit des personnages et du lecteur. Mais c'est la femme qui suscite cela. Elle se fait belle, séduisante, etc., 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 etc. Dans le cas de Tamar, qui est d'exemple prostituée, donc qui joue ce rôle-là, et on n'a pas le même sentiment dans l'histoire de David et Bathsheba, où c'est David qui, lui, est à l'origine de tout ce qui se passe. Alors on va relire maintenant, grâce à cela, un élément de l'histoire de David et Bathsheba, qui a interrogé beaucoup d'auteurs, mais sans apporter de réponse nécessairement intéressante. Or, me semble-t-il, si on compare avec l'histoire de Yehuda et Tamar, et de Ruth et Boaz, et peut-être qu'il faut entendre quelque chose, peut-être. Je reviens au chapitre précédent. Donc, c'est uniquement la comparaison du texte qui va peut-être nous permettre de donner sens à cet élément qui, je le répète, a éveillé le questionnement de beaucoup d'auteurs. Vaïl a été rêve, ce fut à l'approche du soir. Il y a comme David Malmishkavo, David s'est levé de sa couche, ce qui est étrange, encore une fois, on est dans cet état de décadence où d'un homme qui, au moment de la journée, dort. D'accord. Il est allé sur le toit. Il n'y a rien de mal à cela, quelqu'un qui a dormi, qui va maintenant se promener sur le toit. Il a vu une femme qui se lave, mais à la gag. Vous avez expliqué, mais à la gag, il faut certainement comprendre, ce n'est pas évident. Vayar, mais à la gag, Isha Rochetset. Il a vu, du haut du toit où lui se trouvait, une femme qui se lave. En français, ici, c'est comme ça qu'ils ont traduit. D'où il aperçut une femme qui se baignait. D'accord ? Sauf que l'hébreu ici est plus complexe, et souvent quand c'est le cas,
ça permet d'entendre les deux choses à la fois. Et certains d'ailleurs le lisent comme ça. Vayar Ishar Ochetset Me'anagag. Il a vu une femme qui se lavait au-dessus du toit, c'est-à-dire de son toit à elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a vu, parce que si elle se lavait chez elle à la maison, comment est-ce qu'il l'a vu ? D'accord ? Donc, sauf que si c'est une femme, je veux dire, il y a quelque chose qui peut, parce qu'on a, on a dit que Bathsheba n'a rien à se reprocher, si c'est une femme dont le mari n'est pas là, et depuis des mois, il n'est pas là, semble-t-il, il est à la guerre, etc., qu'est-ce qu'elle se met sur le toit toute nue à se laver ? Et même si ce n'est pas sur le toit, d'un endroit où elle peut clairement être vue, la preuve, c'est qu'elle a été vue. Donc, j'essaie de vous montrer, et c'est vraiment la comparaison avec les autres textes, qui sont de toute façon comparables, encore une fois, qui nous obligent à réinterpréter, mais à s'interroger sur le sens ici de ce qui se passe. Ça ne suffit pas. Il faut rajouter en plus à cela ce que je vous avais dit la fois dernière. Regardez comment c'est présenté. Ishlach David, David a envoyé, Idrosh le Isha, il a interrogé au sujet de la femme, Yomer, on lui a dit, mais c'est pourtant, c'est Bathsheba Bateliam, la femme d'Uriah le Hiti. Le halo en plus est intéressant, n'est-ce pas? Comme si les gens ont déjà compris ce que David voulait faire, hein, d'accord? N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas quand même pas faire ça. Et pourtant, Ishlach David Malachim Vaikachéa, David a envoyé les émissaires et Vaikachéa, il l'a prise. Et là, on a deux mots, Batavo et Lav, elle est venue vers lui. C'est-à-dire quoi qu'elle est venue vers lui? Comparé avec la deuxième fois quand il va aller vers elle, il écrit Vayavo Eleha. Il est venu vers elle, Vayishkav Ima. Après qu'elle ait pris le deuil de son mari, après que l'enfant soit mort, etc. Vayavo Eleha, Vayishkav Ima. C'est quoi Batavo Elav? Alors, on nous a clairement dit il l'a prise. Donc il l'a fait prendre, il est parti la chercher. Donc David a envoyé des émissaires pour la chercher, elle se rendit auprès de lui. Non, c'est très mal traduit, c'est pas David a envoyé des émissaires pour la chercher. Et il l'a prise, d'accord. Batavo est là, comme s'il y avait, je ne sais pas si on veut dire comme, mais c'est peut-être vraiment le sens pchat du texte, sans équivoque. Batavo est là, elle est venue de son plein gré, comme si presque elle attendait cela. Donc il est parti la chercher, Batavo est là, d'accord. Donc elle ne se débat pas, évidemment qu'elle ne se débat pas, on va dire, devant un roi, elle n'ose pas, etc., etc. Mais on la sent participer à ce qui s'est passé. Alors qu'elle venait de se purifier de sa touma. Qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est pour un tout petit peu diminuer la faute de David qui vient de commettre un adultère. Oui, il a fait un adultère, mais il n'a pas eu de relation avec une femme nida. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que c'est très étonnant. Et puis si son mari n'est pas là, pourquoi est-ce qu'elle est mitkadeshet mitumata? Donc, vehi mitkadeshet mitumata, ça veut clairement dire elle s'était purifiée de sa touma. C'est-à-dire qu'elle elle était allée au mikvé pour enlever sa touma de Nida dans l'attente d'avoir une relation avec son mari normalement. Mais comme si, on est en train de nous dire, elle était déjà préparée. D'ailleurs, le mot mitkadeshet veut dire se préparer. Maintenant, le mot mitkadeshet, là, c'est quand même assez surprenant. C'est le terme quasiment utilisé, le verbe utilisé, le mot utilisé pendant la racine, pour parler de Tamar, qui était la kedesha. La kedesha, qui veut dire la prostituée, mais c'est le même verbe. Kedesha, c'est la consacrée. Vehimit kedeshet, il faut presque l'entendre, elle s'est comportée comme une kedesha, comme une prostituée. Elle s'est... Alors, évidemment, ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle s'est pas mise sur le bord du chemin, etc. Mais bon, pas loin du palais de David, elle s'est faite... elle est partie se mettre à nu, sachant qu'elle était très belle. Et voilà. Il y a trop d'indices. Et plus que des indices, j'essaie souvent de vous le montrer quand on étudie un texte, il y a une sorte d'atmosphère générale, on l'avait vu pour Abigail et David également, où parfois les mots pris chacun séparément peuvent être interprétés d'une façon ou d'une autre façon, etc. etc. Mais il y a une sorte d'ambiance générale, où même si les choses ne sont pas dites, ne sont pas explicites, il y a une forme de connotation générale. Une connotation n'est pas tout à fait le terme, ce n'est pas dans les sons qu'on entend, mais il y a une suggestion. Voilà. Il y a une sorte de suggestion. Si c'était un film, sans que rien ne soit dit, mais par la façon de positionner les personnages, par les regards, par des choses qui soient dans une forme de suggestion, on comprend qu'en fait, il l'a prise, il a agi, c'est lui qui a tout fait, d'accord, mais qu'elle était en partie consentante ou peut-être même en partie elle-même incitante. Alors, c'est une lecture du texte que vous n'avez peut-être jamais entendu, qui n'est pas courant, d'accord, qui prend les choses un peu
un peu à rebours de ce qu'on entend généralement, et qui en vérité, non seulement qu'elle me paraît se justifier ici, mais qu'elle me permettra de beaucoup mieux comprendre par la suite la relation de Bathsheba et de David, qui va être une relation très forte par la suite, ou avant la mort de David, où Bathsheba va aller vers lui, le prophète Nathan va aller voir Bathsheba pour lui dire d'aller chez David, pour que Shlomo soit choisi, le même prophète qui avait dit qu'il y a trop de complicité autour de quelque chose qui au départ était insupportable. C'est pas possible. Donc Bathsheba est au moins un peu complice de ce qui s'est passé. Peut-être a-t-elle vu dans le fait d'avoir été désirée par David quelque chose de je sais pas, d'une grandeur à laquelle elle a... J'interprète pas. Sur ce point-là, je ne me permettrai pas d'expliquer ce qui se passe dans sa tête, d'accord ? J'ai l'impression que il y a une forme de, le texte essaie de montrer qu'il y avait une forme de disponibilité de Bathsheba. C'est de bien comprendre une sorte de disposition de Bathsheba. Elle s'était disposée à cela. Alors, elle n'était pas comme Tamar qui s'est clairement déguisée pour l'attirer. Elle n'était pas comme Ruth qui s'était fait belle séduisante vraiment pour se coucher à ses pieds, d'accord ? Mais si vous lisez les trois histoires à la suite, clairement, vous entendez une forme de disposition. Alors, si en plus vous les lisez vraiment à la suite, vous verrez une sorte comme le texte sait très souvent le faire, où la même histoire se répète, le même motif se répète avec un changement graduel. La femme qui se prostitue, la femme qui se fait belle, d'accord, séduisante, et la femme qui, comme si de rien n'était, se met sur son toit, et donc elle n'est pas, mais bon, il y a quelque chose ici qui est de fait attire. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte très connu de Jean-Paul Sartre, sur la jeune femme qui est auprès d'un jeune homme dans un café, etc. Donc, sans faire exprès, on s'est touché la main, etc. Et c'est un texte qui lui permet, lui, de critiquer ce que Freud appelle l'inconscient. Sartre s'opposait à cette idée d'inconscient, que inconsciemment, on s'est touché la main, donc un acte manqué, qu'est-ce que veut dire un acte manqué dans la psychanalyse, etc. Sartre appelle ça de la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est-à-dire je fais un acte où je me mens à moi-même. C'est-à-dire, clairement, je dis non, je n'ai pas fait exprès de le toucher. Mais sans faire exprès de toucher l'homme qui est à côté de moi, il y a une forme de séduction qui passe et lui fait des actes un peu plus suggestifs. Et finalement, la relation peut avoir lieu. Mais les premiers actes sont des actes qui sont censés être non signifiants. D'accord ? L'inconscience dira c'est inconscient, etc. Ici, il dit non, c'est un acte manqué. C'est au sens que c'est vraiment de la mauvaise foi. C'est vraiment de la mauvaise foi. La personne, au fond d'elle, sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Alors, je le lis un petit peu de cette façon-là, qu'il y a une forme de mauvaise foi de la part de Bathsheba. Et encore, quand je dis, on n'entend même pas Bathsheba se plaindre de quoi que ce soit. Elle va prendre le deuil de son mari, mais... on ne sent pas de souffrance, de pleurs, etc. Il paraît qu'elle a pleuré son mari. Alors, comparé à tous les autres textes, dans le Tanakh, une femme perd son mari, elle en pleure. Ou un enfant, etc. Là, non. Elle prend le deuil. L'expression utilisée, c'est elle a fait hesped. Hesped, c'est-à-dire on a fait les oraisons funèbres. Une sorte de rituel, une sorte de rituel du deuil qui a été respecté. Mais dès que c'est terminé, hop, ça y est, le mariage, et puis c'est fini, quoi. Donc, j'essaie de vous faire entendre cela que... Première lecture du texte, on a un David froid calculateur qui fait le mal de manière insupportable. Deuxième lecture du texte, on sent une Bathsheba disposée, disponible, incitante peut-être même, ce qui n'enlève strictement rien, j'insiste, à la faute de David. S'il y a faute, c'est clair que non. C'est pas rendre la femme ici participatrice à cet égarement n'enlève rien du tout à la faute d'un homme qui n'aurait pas dû fauter, d'accord ? C'est clair que non. Yehuda le dit clairement, Tzadeka Mimeni. Or, vous n'avez pas ce Tzadeka Mimeni à la fin, d'accord ? Et puis, on ne sent pas pourquoi Bathsheba ferait ça. Parce que, autant, clairement, on nous dit, on nous met en scène la volonté d'une femme de transgresser la morale pour un bien, mais c'est clair pour le lecteur que Tamar ne le fait que pour le bien, et elle utilise la transgression pour ça. C'est clair que Ruth semble prête à contre-cœur le faire de cette façon, et heureusement, ça ne se produit pas, mais elle est prête à cette transgression de cette façon pour un bien, là aussi, clairement.
Ce qui nous manque dans le texte, c'est ce bien-là en question. Donc, au début, je vous avais dit, on a l'impression que ce texte est différent de tous les autres parce que la femme ne participe pas. J'essaie de montrer que non, justement, grâce aux autres textes, j'entends ça aussi. Sauf que, alors ce qui manquerait maintenant, c'est oui, mais alors c'est au nom de quel bien? Si vraiment les textes devaient se ressembler, il faudrait rajouter que Bathsheba fait cela au nom d'un idéal en vérité. Or, tel que je vous l'ai présenté, c'est une femme proutsa. Une femme vraiment au sens proutsa, c'est-à-dire débauchée. Très différente des autres personnages. Or, si on arrivait à trouver ce bien de Bathsheba au départ, des autres problématiques, pas concernant David, mais des autres problématiques qui sont celles, pourquoi il y avait l'annonce des questions auparavant, pourquoi ça se finit bien, pourquoi parce que cette femme-là sauve David de son égarement, sauverait David de son égarement, comme l'a fait Tamar, comme l'a fait Ruth, sauve ces hommes-là de leur égarement par une transgression. Vous voyez le nombre d'éléments qu'il va falloir, qui sont vraiment, vraiment ressemblants. Mais il nous manque ici le bien, parce qu'on, quel est ce bien-là quel est cet idéal ici de Bathsheba? Lui n'apparaît pas du tout dans le texte. Voilà. Je ne vous impose certainement pas mon début de lecture. On est en train de défricher le texte en le regardant un peu plus. Il nous restera à voir également qu'est-ce que Yoav sait, etc. Yoav, évidemment, est au courant, mais est-ce qu'il n'y a pas que lui qui est au courant? Yoav joue un jeu lui aussi, alors qu'on a l'impression que c'est juste un homme qui est là pour appliquer ce que fait David. On a vu que ni Bathsheba est totalement innocente dans cette histoire, totalement naïve dans cette histoire, ni Uria est entièrement naïf. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas innocent, par contre, il faudrait voir autre chose encore peut-être, mais naïf, il ne l'est peut-être pas certainement, d'accord ? Il y a quelque chose d'autre, et il n'est pas le simple héros courageux, etc. Il est aussi quelqu'un qui accuse David, attaque David clairement de face, d'accord ? Pour lui reprocher, en vérité, en sous-entendu, son absence et d'avoir abandonné, et qu'il se voit plus comme étant serviteur de Yoav plutôt que serviteur de David, ce que clairement la Gemara va reprocher à Yoav, ce qui devient un crime de lèse-majesté, ce qui est extrêmement grave, qu'on n'a peut-être pas à lui reprocher, mais qu'il faut savoir entendre, et qu'il a même clairement compris peut-être ce que David attendait de lui, qu'il se refuse à tout prix à jouer ce sale jeu-là. Et en retournant, on n'est pas allé jusque-là, mais peut-être il a même compris sa fin. Que David l'envoie une première fois, il retourne pas chez sa famille. Il l'envoie une deuxième fois, il ne retourne pas chez sa famille. Il dit, très bien, tu sais quoi, alors tu retournes à la guerre. Avec une lettre dans la main que tu dois donner à Yoav. Hein, et que Yoav lui met juste devant. C'est un grand soldat. Il n'est peut-être pas bête à ce point-là. Il a peut-être très bien compris qu'il va aller à la mort. Et il assume cela, pour ne pas découvrir le méfait de David. Hein. Regardez jusqu'où est-ce qu'on peut aller si on essaie d'interpréter qu'est-ce que les personnages ont compris en vérité de ce qui s'est produit. Avec beaucoup de gens qui sont au courant, en vérité. De la même manière que Tamar, quand elle était enceinte, les gens étaient au courant, on est allé voir. Là aussi, tout le monde a vu qu'elle était enceinte, tout le monde a su qu'il était parti la chercher, c'était pas caché. Il y a beaucoup de gens qui sont envoyés, d'accord ? Eh bien, ni elle est totalement innocente, ni lui n'est complètement naïf, ni Yoav est complètement naïf dans cette histoire, et ce n'est pas un simple exécuteur. Yoav parle, Yoav dit, le texte nous dit cela, on ne dit pas seulement il a envoyé chez Yoav, et puis Yoav a réglé l'affaire. Il a dit, tu diras ceci, etc. Qu'est-ce que ça signifie, d'accord ? Tout ça, on essaiera de le voir la fois prochaine également. Bezrat Hashem. Alors, je ne suis pas sûr qu'il court la semaine prochaine. Je ne sais pas si on va devoir interrompre ou pas. Ce serait dommage, là, on est en plein milieu de cette étude. Si possible, j'essaierai de donner cours la semaine prochaine. Restez attachés au message pour voir s'il y a des changements. À très bientôt, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, j'ai juste fait un commentaire par rapport à la non-innocence de Bathsheba, le fait aussi qu'elle se laisse voir comme ça de nuit, c'est oui, tout à fait. Aussi tout un à peu fait. Surprenant. C'est ce que j'ai appelé une forme de au moins de disponibilité. D'accord, se rendre disponible, c'est-à-dire voilà, si tu veux, je suis là, quoi, d'une certaine façon, ce qui est très grave. Ce qui est très, très grave. Et rajouter à cela tout ce qu'on a dit de Edmika Deschet, et pourquoi est-ce qu'elle est allée au Mikvé si son mari n'est pas là? Donc, et là, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais se joue toute l'ambiguïté du mélange du bien et du mal. Parce que Mika Deschet, si vous le lisez à la lecture de Tamar,
elle s'est faite prostituée, d'une certaine façon, elle s'est rendue prostituée, mais là, ça ne veut pas dire ça dans le texte. Là, ça veut dire au contraire, mais de Kadeshet, c'est le mot Kedusha, pour être pur. Mais tu me dis ça, pour être pur, pour qu'il faut qu'elle ait une relation avec un homme qui n'est pas son mari. On mélange tout dans cette affaire. Bah, c'est peut-être une ironie du texte aussi, non ? J'entends pas, comment ? C'est peut-être une ironie du texte. Oui, c'est certainement une ironie du texte, mais la question, à quoi sert l'ironie ? C'est pas juste un effet de style. L'ironie ici cherche à nous faire entendre quelque chose sur ce que dans quelle situation. C'est ironique, c'est clairement ironique. On joue clairement avec les paradoxes, hein, le mal qui sert à un bien, le bien qui sert à un mal, etc. Où tout est mélangé, où le même mot que Kadosh veut dire les deux choses à la fois, d'accord. Mais c'est ironique, mais cette ironie, elle sert quelque chose qui est ici une certaine forme de clin d'œil fait au lecteur pour dire ne crois pas qu'elle est si innocente que cela. C'est clair que voilà, avec ce halagag qui peut s'entendre dans les deux sens, on va certainement pas. Il faut savoir, les toits, n'allez pas imaginer les toits comme chez nous. Les toits, c'est comme si vous diriez aujourd'hui sur votre balcon. Une femme ne va pas se mettre toute nue sur son balcon, surtout si c'est une très belle femme avec le palais du roi qui est juste au-dessus, qui est grand, d'accord. Qui est plus élevé qu'elle. Enfin, c'est n'importe quelle femme aujourd'hui qui ferait une chose pareille, tout le monde interpréterait cela comme une façon de se montrer. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Dire, mais je suis chez moi, je ne pensais pas qu'on me regardait. Enfin, c'est inimaginable une chose pareille. D'accord. Donc j'ai essayé de nous faire entendre ça. Oui, c'est clair que ça ressemble, pour le coup, en plus, et c'est ce qui renforce cette lecture, ça fait que nos textes se ressemblent vraiment beaucoup. Entre l'histoire de Yehuda et Tamar, Ruth et Boaz et David et Bathsheba, oui, où c'est la femme qui joue le rôle ici initial. Maintenant, c'est très bien vu, c'est très 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 bien vu dans le cas de Ruth et Tamar. Mm. C'est une façon de dire que ces femmes-là sont des héroïnes. Elles ont sauvé un homme du mal dans lequel il s'embourbait. Alors, c'est plus difficile à dire ça ici. Voilà. Vous avez d'autres questions? Est-ce que Bathsheba n'aurait pas été un peu prophétesse, sachant qu'elle allait un jour être la mère du roi Shlomo? Là, cette façon de lire, c'est une façon midrashique du texte. C'est-à-dire que clairement, on va ici ou dans plein d'autres endroits, on dira que Korach avait vu que de lui sortiraient des d'accord. Quand le midrash dit cela, Je vais chercher dans le texte des éléments de pshat qui ne vont pas l'exprimer sous forme de prophétie, d'accord. Et Tamar n'était pas prophétesse pour savoir que Mashiach allait naître. Ruth n'était pas prophétesse pour savoir que David allait naître, d'accord. Même si on pourrait l'exprimer aussi comme cela. Dans le texte, clairement, Tamar, pour une raison textuelle, recherche cela. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est la différence entre une méthode pshat et une méthode midrashique. La méthode pshat va chercher dans le texte, et uniquement dans le texte, un élément positif, s'il existe, hein, qui justifierait l'attitude de Bathsheba. Et pas une prophétie de quelque chose qui apparaîtra après, parce que ça, on ne le voit pas. D'accord ? Alors, la même manière pour Abigail, par exemple, etc. On pourrait dire aussi qu'Abigail, on dit, clairement, le moral dit qu'Abigail était prophétesse, etc. Mais dans le pshat, avant d'associer, de charger par un autre niveau de sens, il y a d'abord un élément dans le texte qui montre en quoi effectivement une femme a conscience de quelque chose chaque fois, hein, que l'homme n'a pas vu et qui a fait sombrer un homme, qui est en train de le faire sombrer, qui risque de le faire sombrer totalement d'ailleurs. On va vers une chute irrémédiable. Et c'est cette femme qui comprend quelque chose dans l'histoire d'Abigail et Bathsheba, c'était très clair. Elle comprend que David va vers une faute plus que vers un meurtre, mais vers une faute qui va lui faire perdre ce qu'il est lui-même et qui va lui faire perdre la royauté. Qui va lui perdre sa dignité. Et elle le sauve, lui, de sa faute, en sauvant son mari Nabal, qui de toute façon va mourir, d'accord. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver David. Et Tamar, ce qui l'intéresse, c'est peut-être pas de sauver Yehuda en tant que tel, mais de sauver la mémoire de son fils, en sauvant la mémoire de son fils, de sauver quelque chose de Yehuda, qui Yehuda ne disparaisse pas, ce qui est la même chose pour Ruth. Or ici, on ne voit pas en quoi Bathsheba sauve David. Qu'est-ce qu'elle voit chez David qui ne va pas, qu'elle va à tout prix sauver, d'accord ? Et là réside une difficulté, alors qu'on a beaucoup avancé sur les ressemblances qu'on ne voyait pas tout de suite immédiatement. Alors finalement, les textes ressemblent vraiment beaucoup,
Même si au niveau des mots, on n'a pas des liens très forts nécessairement, mais au niveau des schémas d'idées, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de ressemblances, sans compter que ce sont c'est une lignée, c'est-à-dire que l'un est fils de l'autre, donc ça ne fait que renforcer évidemment le lien. Donc, ça nous oblige à dire, mais alors quoi, est-ce qu'il y a aussi chez Batsheva la transgression? J'ai l'impression que oui, dans une certaine mesure. Est-ce qu'il y a aussi chez Batsheva la volonté de sauver un idéal et de sauver un homme du mal dans lequel du mal qu'il est en train de commettre? Là, c'est plus difficile. Voilà. Bonne soirée à tous.